Et bien sûr à toutes et à tous, c'est Ultima et bienvenue pour une nouvelle vidéo Database, comme chaque semaine. Alors j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super. Alors ça va être spécial aujourd'hui, parce que j'ai une belle mise au point à vous faire, et ça va vraiment concerner la chaîne en général, mais on en parlera après. Alors, les votes de la semaine, il n'y en a pas eu, parce que tout simplement, j'avais un peu la flemme, j'étais un peu occupé également, parce que bon... Pour vous dire, je reprends le 11 janvier le travail et bon, moi j'aime bien comment dire ça. J'aime bien me préparer en avance, donc j'ai préparé beaucoup de choses pour reprendre le travail posément, de façon nickel, posée, enfin, le truc quoi. Et tout simplement, j'ai totalement oublié de faire un vote. Alors vous m'excuserez, mais bon, ce sera pas le cas chaque semaine. Mais voilà, j'ai mes raisons, tout simplement, et voilà. Alors, pour les achats de la semaine, il n'y a rien eu grand-chose, il n'y a vraiment rien eu, sauf peut-être une petite surprise, mais qui ne viendra pas dans une semaine, mais plutôt deux ou trois. Mais bon, je vous tiendrai au courant, et croyez-moi, c'est une belle chose. Je sais pas si je vous en ferai une vidéo unboxing, mais je pense que ça va vous plaire. Alors, pour les jeux du moment, alors, oui, j'ai commencé Dragon Quest 3. En ce moment, alors j'étais. Bah, je suis pas quelqu'un qui adore Dragon Quest, hein. Je pense que vous me connaissez, je suis pas un fan de la série. Moi, je trouve qu'elle est vachement surestimée, encore une fois. C'est que mon avis, bien entendu, c'est que mon avis personnel. Mais j'étais agréablement surpris du 3, pour le moment. Même si le système de jeu me rebute un peu, parce que, comme beaucoup de Dragon Quest, il faut farmer ça. Je trouve que c'est perdre du temps inutilement sur le jeu pour gagner des levels alors que tu pourrais tout simplement faire un jeu moins dur. Mais enfin bon, voilà. C'est peut-être moi qui suis un peu trop casual aussi. C'est probable, c'est probable. Voilà. Et la mise au point. Alors, mise au point de fait. Alors, j'ai activé la monétisation. Alors, oui, Adessio tu monnaies, tout ça si tu veux. Mais j'ai dû activer cette option obligatoirement. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, en activant la monétisation. Eh ben, il se fait que tu peux planifier tes vidéos. Alors, je ne comprends pas, hein, parce que quel est le rapport entre monétisation, donc Google AdSense, recevoir ton argent, etc. Et planifier des vidéos, donc planifier, bah, dire à quelle heure, quelle date elle sortira. Je ne comprends pas le rapport. Mais enfin, bon, on est obligé d'activer la monétisation pour activer ça. Alors, ce qui est que j'ai activé forcément l'amplification, toutes les vidéos désormais hors live sortiront tous les jours, donc une vidéo par jour, à 13 h. Voilà. Donc, je me répète encore une fois, toute vidéo, donc présentation GoPro, mugen, Dissidia, etc. sortiront tous les jours, donc une vidéo sur chaque thème, hein. Bon, je vais essayer de diversifier un petit peu, entre les quatre, pas vraiment sortir deux Dissidia, genre, allez, je dis, oh, il y a deux Dissidia en 2 jours, tout ça, je vais essayer de diversifier un peu les thèmes, et ben, ça sortira chaque jour, donc une vidéo par jour, à 13 h précises, voilà, donc je vous mets au courant à propos de ça. Et ça va beaucoup me sauver de beaucoup de choses parce que bon, je vais reprendre encore une fois le travail et bon, je dois penser à d'autres choses plutôt que d'uploader. Et planifier mes vidéos, ben, c'est le bien. Parce que moi les vidéos sont déjà prêtes, elles sont prêtes à être sorties. Elles sont dans les playlists, elles sont dans. Bah les miniatures sont prêtes, les descriptions, les titres, tout ça, bah la vidéo est prête. Elle a juste qu'à sortir, voilà. Et c'est génial, tout simplement. Bon écoutez, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo Database. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous, c'était Ténépone et à bientôt tout le monde. Ciao, bye bye les gens.